Pour entrer aux écoles de tir, il faut avoir 11 ans. Donc les catégories représentées, vous avez une catégorie Benjamin, une catégorie minime, et mélangée filles et garçons, et vous avez une catégorie cadet. La catégorie Benjamin tire sur une trajectoire unique, une hauteur de 3,50 m, une longueur de 55 m, et ils sont sur 3 postes. Les minimes tirent une trajectoire unique, 3,50 m, 55 m, et ils sont sur 5 postes. Les cadets, alors vous avez dans les cadets, mini-fausse sur 3 trajectoires, 5 postes, ils tirent comme les grands. Et le mini-skit, c'est sur les mêmes postes que les adultes. Les distances sont raccourcies par rapport aux adultes. J'ai commencé par une année à la DTL, au parcours, à la fosse aussi. Puis ensuite, à l'issue de cette année-là, je suis rentré en école de tir. Je tire au mini-skit. Donc il y a deux cabanes avec une plus grande et une plus petite. Et des plateaux qui partent à 110 km/h. Je suis rentré en école de tir et puis. Mon entraîneuse c'était Lucie Anastasio. Donc forcément quand on a une entraîneuse comme ça, c'est toujours bien de s'entraîner avec elle. On a de très très bons conseils et puis ça nous donne toujours plus envie de s'entraîner et puis d'apprendre plus et de progresser. Pour moi c'est la première fois déjà que je viens ici et puis que je participe à un championnat de France. Donc forcément j'ai la banane, je suis très heureux d'être ici avec mon club. On représente notre club donc c'est super. Les jeunes que nous rencontrons là, c'est l'avenir de la fédération, c'est là l'avenir du tir.